Et salut tout le monde, c'est XRouge et aujourd'hui on se retrouve pour le test de Don't Even Think sur PlayStation 4. Édité et développé par Perfect World Entertainment, sorti officiel le 10 juillet 2019 sur PC et un petit peu plus tard sur le PlayStation Store américain. Il faudra attendre pour nous définitivement la semaine du 4 mai pour en profiter sur le PSFR. Pas de note, visiblement pas beaucoup de sites communautaires de jeux ont voulu donner une note, seule la note des utilisateurs de ces sites communautaires met un point d'honneur à lui mettre une note moyenne de environ 12 sur 20, qui est pas exceptionnel certes, parce qu'il y a des points positifs dans ce jeu, mais il y a aussi pas mal de points négatifs. Qu'est-ce que Don't Even Think? C'est un battle royale mixé avec un jeu de survie. Vous savez un petit peu le principe Evolve ou plus récemment Predator, le fait qu'il y ait des joueurs contre un autre joueur bien plus boosté. Dans ce jeu, ils seront au nombre de 3, ce seront les loups-garous qui vont devoir en fait exécuter les 33 joueurs présents sur la map. Il y a donc 11 trios présents sur la map et 3 autres joueurs incarnant les loups beaucoup plus boostés avec des capacités, etc. Mais on en parlera avec 2 séquences de gameplay, une en jouant les humains et d'autres en jouant les loups. Parcourons brièvement le menu. Vous avez donc du coup la possibilité d'équiper votre personnage de la tête aux pieds. A savoir que ce jeu c'est un petit peu bizarre, peut-être que le PEGI montrera à cause de ça. C'est qu'il y a des vêtements, autant pour les hommes, pour les femmes, que pour les loups ou que pour les chats. Si vous prenez des humanoïdes de type femelle pour combattre les humains. Eh bien, comment vous dire? Autant que vous le voyez par vous-même, vous avez des tenues un petit peu pour les femmes. Assez provocante pour certaines. Par exemple, voilà, vous voyez, on a carrément du style underboobs que l'on voit sur nos chères instagrammeuses fraîches comme pas deux et qui ramènent des likes uniquement pour ça. Enfin, vous voyez très bien de quoi je veux parler. Vous avez donc du coup ensuite les équipements pour équiper des skins en fonction des armes que vous allez récupérer dans les lootbox. Vous pouvez aussi mettre un coloris sur votre parachute, avoir une traînée différente qui accompagnera votre personnage durant le largage, et avoir un skin pour votre mecha de combat, qui est un petit drone qui vous accompagne, qui vous sert de soutien pour tirer sur vos adversaires. Vous avez ensuite le shop pour ensuite acheter ce que vous voulez en tenue, en skin, etc. Est-ce que c'est pay to win? Pas vraiment, même si le petit droïde mécanique s'obtient quand on prend le pass de combat, ou alors il faudra le débloquer avec de nombreuses parties. Le mecha ne tapant qu'à 1 de dégâts toutes les 1 seconde. Ouais, si, ça reste un petit peu du pay to win, ça avantage certaines personnes quand on est vraiment très très low life. Vous avez aussi la banque pour avoir de l'argent ou des D-Points pour vous acheter des caisses, changer votre apparence ou voilà, profiter de la boutique instantanée qui s'épuise au bout de quelques jours. Et si vous avez votre objet en doublon, vous pouvez bien entendu utiliser le distributeur qui vous donne des points, des rewards L contre des doublons, ce qui vous permettra d'aller au shop vous acheter des tenues légendaires. Quand on switch, et que je vous disais, par rapport aux tenues, c'est pareil pour les personnages de type féminin. Quand on part sur, au lieu des werewolves, que l'on prend les werecats, regardez ce que ça donne. Voilà, c'est pas moi qui l'invente, c'est des tenues un petit peu osées. Malheureusement, est-ce que c'est fait pour vendre? Après, il y a des tenues qui sont beaucoup plus sympas comme celle-ci. Mais voilà, vous commencez votre personnage, que ce soit un loup ou un chat, quasiment à poil. Bon, bien sûr, les extrémités des corps ne sont pas faites. Je pense que ça veut éviter le PEGI 18 et même la censure dans certains pays. Mais on reste sur du type Fury censuré. Enfin voilà. On va pas s'attarder davantage dessus. Il vaut mieux quand même vous montrer du gameplay, car si on se base uniquement sur l'interface même du jeu, on pourrait très vite se faire une idée hâtive et non réfléchi sur le jeu, donc je vais lancer une séquence de gameplay en tant qu'humain, et je switcherai avec une séquence de gameplay en tant que loup. Pour ce qui est de Don't Even Think, le jeu étant très loin d'un triple A, le studio a opté pour une façon assez particulière, qui est le téléchargement de données en amont.
C'est pour ça que vous voyez, en somme, le jeu vraiment dégueulasse en rendu graphique, avec les clippings de textures qui s'ensuit et les lags sur le serveur, mais le jeu a un meilleur rendu en fin de partie. C'est-à-dire qu'en gros, toutes les données du jeu se téléchargent durant votre game. Vous le verrez, une fois qu'on sera vers le top 1 du jeu, le graphe n'en sera que meilleur au fur et à mesure que le temps passera. Mais bon, passons, on va essayer déjà de trouver une arme. Et on va faire en sorte que le trio gagne. Au niveau du gameplay du parachute, ça va, ça reste assez simple à manier. On se retrouve sur un gameplay un petit peu à la H1Z1, si vous voulez un exemple de gameplay BR. Et non, ce n'est pas moi qui bug, je viens de vous le dire, ce sont les serveurs qui lag énormément. Il y a énormément de lag et de clipping sur console, même si sur PC apparemment ça se fait un petit peu moins ressentir. Mais apparemment sur PC il y a aussi d'autres problèmes que la console elle n'a pas. Voilà. N'ayant pas beaucoup de notes sur le jeu comme je vous ai dit, je me suis pas mal renseigné sur des sites où est-ce que des gens donnaient leur avis, tels que Reddit ou même IGN, qui sont des sites assez conséquents et référentiels dans leur style. Pour le partage de données et de ressentis de chaque communauté envers un même jeu. Mais voilà, il y a du plus, il y a du moins dans le jeu. Le plus étant que le principe du jeu est vraiment exceptionnel. Le style à la Evolve ou à la Predator, j'aime énormément qu'un joueur joue contre les autres alors qu'il est boosté au niveau de sa vie, de ses dégâts, etc. Et ça amène à une belle cohésion, à de la bonne coopération d'équipe. Mais pourtant, c'est là que ça flanche. Don't Even Think a un principe exceptionnel, mais la communauté rend ce principe toxique. Vraiment toxique. C'est pour vous dire, il suffit juste d'aller voir dans les trophées du jeu, il y a 9% de win rate chez les humains, contre 91% de win rate chez les loups. Et pourquoi ? Parce que les humains préfèrent se foutre sur la gueule plutôt que de buter les 3 loups présents sur la map. Si tout le monde s'alliait pour buter les 3 loups et ensuite transformer ce jeu en un véritable BR, mon dieu, le pourcentage de réussite des loups ne serait que de 1 à 2%, car le jeu nous conseille d'être au minimum à 5 sur un loup complètement boosté pour pouvoir le terminer. Mais le jeu n'est qu'en trio. Oh bordel. Ça c'est un loup. On n'a pas le droit d'avoir des armes au corps à corps, alors que les loups, eux, commencent comme ça. Ils doivent ensuite manger des cadavres, ou des cadavres dispatchés sur la map, au nombre de 5, pour pouvoir se transformer, ou des cadavres de joueurs au nombre de 2. Les cadavres de joueurs apportant beaucoup plus de puissance. Allez, essaie de crever. J'ai demandé à mon petit drone de le viser. C'est incroyable, la vie qu'il a. En plus, le pire, c'est qu'il se remet tout pendant qu'il est en train de manger. Et donc certes, ils sont quasiment inoffensifs quand ils sont humains, mais le jeu fait en sorte de leur filer 3 à 4 fois plus de vie que nous pour pouvoir survivre. Là, il est en train de se transformer. Mais je suis en train de vérifier, hein, parce que c'est la première fois que je vois vraiment une transformation d'aussi près. Et si je gaspille toutes mes balles, c'est juste pour voir quelque chose. C'est de voir la vie qu'il va avoir une fois qu'il va se relever. Ok, il a toute sa vie. Donc pendant une transformation, un loup est complètement invincible. Et là normalement, je vous ai dit qu'il faut être 5 pour le négocier quand il est full. Mais là, il n'a pas d'armure, donc j'ai éventuellement peut-être une chance. Je laisse mon drone un petit peu tourner autour de lui. Ça ne l'enlève pas énormément. Et quoique... Moi, je vais peut-être crever. Non, parfait. Putain, je suis venu à bout d'un loup à moi seul. Exceptionnel. C'est génial ce qui vient de se passer. Voilà. Bon, parce qu'il n'avait pas son armure. Et la AK violette. À partir des armes de type violet, vous avez des viseurs intégrés. Et ça, c'est vraiment classe. L'avantage, voilà. Comme je disais, il faut être au minimum 5 pour négocier. C'est là que ça merde parce qu'on est un trio. Enfin, bon, là, en l'occurrence, on a un duo. Le collègue est mort entre-temps. Mais il faut être au minimum à 5 pour buter vraiment un loup complètement EP, qui a bien mangé, qui a toute l'armure, etc. Et du coup, c'est là que ça merde, parce que comme il n'y a que des trios, ça nécessite une alliance avec au minimum un autre trio. Et je vous l'ai dit, tous les joueurs se foutant sur la gueule, pour vous citer un exemple, j'étais en difficulté face à un loup avec un autre trio, enfin avec mon trio, il y a un trio qui débarque derrière le loup, qui a l'avantage tactique par rapport à la bête, et non, il nous flingue à nous,
pendant qu'on se fait enculer par la bestiole. Et ça, c'est vraiment une horreur, quoi. Ils essaient après d'en profiter, mais non, justement, la bête les a butés juste après, parce que il n'y a que nous qui essayons de tuer la bestiole. Et on s'est dit, bon, quitte à se faire buter par des humains, eh ben on va arrêter de taper sur la bête, hein, et on va. Voilà, ils vont comprendre que la mort vient très très vite après une erreur tactique aussi évidente. Donc on a arrêté de mettre du dégât sur la bête, elle avait encore de l'armure, un bon petit quart d'armure et toute sa vie. Ça lui a suffi pour flinguer le trio qui nous avait buté juste après. Et c'est pour ça, voilà, la communauté rend le jeu toxique, trouve le jeu difficile, mais en même temps, ils ne jouent pas en mode coopération. C'est. Enfin. Ils sont fautifs de leurs actes, et pourtant, ils se plaignent quand même. Bon, heureusement, le jeu est foutu de façon à toujours faire regretter les gestes et les choix de ces joueurs-là, qui ne jouent que pour leurs pommes. Et tant mieux. D'un certain côté, ça, pardonnez-moi l'expression, mais ça leur fait la bite un peu, de clairement se faire éclater la gueule par un loup. Parce qu'ils n'ont pas voulu faire une alliance avec d'autres joueurs qui, certains, ne demandent que ça. Moi, je commence à en avoir marre, je tape sur les autres joueurs parce que j'ai beau faire du teabag, du jump, alors que je suis tout seul. Mais voilà, pour leur montrer que mes intentions ne sont pas, sont pas nocives et que je veux juste jouer friendly avec eux, malgré tout, voilà, je suis le premier à prendre des balles dans la gueule. Et voilà, ça commence à être emmerdant, donc. Quand on voit que les premiers shotfire émanent de l'équipe adverse, ben là, pas de quartier. Mais un jour, qui sait? Si tout le monde se met à faire des alliances, les loups n'y arriveront peut-être pas. Et par contre, la situation dans laquelle nous sommes actuellement est assez exceptionnelle parce qu'il lui reste un loup pour 21 joueurs. Ce qui est assez fou. J'ai déjà gagné des games en tant qu'humain, très peu, je vous rappelle, 9% contre 91 de win rate. Mais là, c'est jouable. On peut peut-être jouer le top 1. A savoir que le jeu, comme je vous ai dit, il y a des viseurs, donc il suffit que pendant que je vise, j'appuie sur R3 pour passer en FPS ou en TPS. On est vraiment sur un gameplay à la HZ1, je vous le rappelle. A voir. Ah oui. Ouais, j'arrive pas à le toucher. Hein. C'est incroyable. La vue TPS de loin est imprécise au possible. Voilà, alors que quand on passe un FPS, il y a tout qui rentre. Mais c'est assez particulier, le jeu a dit que j'avais fait un headshot. Je pensais que je l'avais tiré dans les dans le plexus, au niveau du torse. Faut croire que non. La barre blanche que vous voyez au-dessus de la barre rouge qui est ma vie, c'est la barre de température. Dès qu'elle est complètement noire, dès qu'il n'y a plus de blanc, c'est qu'on rentre en hypothermie et que l'on perd de la vie. À savoir que quand on est en hors zone de ce Battle Royale, c'est le froid qui nous tue. Donc il vous est conseillé de faire des feux dans des barils ou de trouver du bois dans les diverses cheminées qu'occupent les maisons. Encore faut-il avoir la chance de trouver du bois. En bas à droite, à côté de ma minimap, vous voyez inactive 1, 2 et 3 avec des chiffres romains au-dessus. Ça prend ce sens-là, en fait, cet ordre-là. Ça fait 1, 2, 3 et puis après, si on n'a pas pris le 3, ça redémarre à 1. Vous avez en fait des donateurs, des petits drops au sol, des petites stèles qui, une fois qu'elles sont actives, vous permet de récupérer. En active 1, c'est une AK avec des balles. En active 2, c'est de la vie. Et en active 3, c'est une arme légendaire avec, si vous avez de la chance, peut-être du stuff, donc armure ou tête. Et ça peut être décisif. Surtout, si vous avez encore plus de chance, vous pouvez avoir des balles en argent. Les balles en argent, ça ne s'équipe que pour votre arme de poing. En faisant deux fois triangle, vous la sortez, mais elle ne peut avoir que des balles en argent. Inefficace contre les humains, mais qui fait très très mal aux loups. Qu'est-ce que nous avons? Un shield et un lance-flamme. Et ça, c'est beau. Voilà, la place du pompe, ce sera mieux. Ah non, 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 je me suis emmêlé les pinceaux. Voilà, armure 3, pas l'armure 2. J'ai toujours autant de PV avec les armures, mais en fonction de leur qualité. Ah, mais il est en train de se battre. En fonction de leur qualité, les 300 PV diminuent plus ou moins rapidement. Le pommier. Vous avez jusqu'à 3 pommes par pommier.
Les manger vous redonne très très peu de vie sur la durée, mais vous fait remonter. Le fait de manger, que ce soit de la viande ou des pommes, vous permet de faire remonter votre température corporelle. Vous savez, ils se sont basés sur le principe on mange, on fait brûler donc du coup des calories pour la digestion, etc. Le corps travaille, donc la chaleur du corps augmente, etc. Bref, ils sont basés là-dessus. C'est bon. Je pense que quand on est en risque d'hypothermie, donc du coup qu'on est dans une hors zone et où est-ce qu'il fait moins de 32, je pense pas que bouffer une pomme va vraiment te réchauffer le corps, mais partons de ce principe. Ce qui est aussi sympa, c'est de voir quand les gens se tuent, vous voyez le drapeau à côté, vous voyez la nationalité de chaque joueur, et c'est assez sympa. On se retrouve avec des joueurs où est-ce qu'on ignorait clairement que limite ils pouvaient avoir un. Non pas internet chez eux, mais bon, c'est très rare de voir des drapeaux de ce style. Pour vous citer un exemple, la dernière fois en trio, je suis tombé avec quelqu'un qui avait le drapeau de Chypre. Attention, je dis pas que Chypre. Je dis pas que c'est un pays sous-développé ou quoi que ce soit, je dis juste que c'est très rare de voir le drapeau. Le drapeau de la Chypre comme ça, là, dans un jeu. Mais bon, c'est bien. Ça montre que le jeu unit, assemble et touche tout le monde sans frontières, et ça, c'est une très belle image. Donc vous le voyez, des clippings, il y en a un petit peu moins. Plus on avance dans le jeu, plus le jeu a l'air stable. Voilà, on se plaint uniquement au début, mais après, on a un jeu qui tient à peu près la route. C'est voilà, c'est pour en revenir justement, voilà, dans ses points négatifs, il a clairement besoin d'un rework pour éviter ça. Les graphismes, du coup, devraient être un petit peu améliorés. Et surtout, la stabilité des serveurs, clairement. Enfin, en tout cas, je parle pour console. Je sais que sur PC, il y a d'autres problèmes, je vous l'ai dit, mais je ne connais pas, je n'y ai pas joué sur PC. Et sinon, dans le point positif, ben, c'est clairement le principe. Ce principe de jeu est exceptionnel. Franchement, c'est incroyable d'avoir un BR mixé avec de la survie. On en vient limite à se dire, ok, certes, il faut se foutre sur la gueule, etc., comme à n'importe quel jeu casual, mais en plus, vous avez trois méchants qui, eux, sont surboostés et qui sont censés vous déglinguer. Enfin, vous allez le voir dans le prochain gameplay que je vais faire avec le loup. Vous allez voir qu'une fois qu'on est bien boosté, c'est incroyable. Rien ne peut nous arrêter. Plus que 8 joueurs, une bête. Ça commence à m'inquiéter, parce que une bestiole, pour 8 joueurs, c'est largement faisable. Si elle se démène, ça peut. Enfin, qu'on est tous split, on peut clairement se faire buter. Et voilà, je serais le premier à vouloir faire une alliance, mais là, bon. Si près du top 1, il faut pas trop en demander non plus. Ouais, ça se met bien sur la gueule là-bas. Et la vie que l'on peut voir un petit peu loin, mais bon, quand on est à proximité, on voit cette barre de vie, cette barre rouge diminuée avec la barre bleue au-dessus. C'est la vie du loup qui était non loin de notre position. Parfait. Il a buté, je suis pas d'une grande aide là sur ce fight là. Et en plus, il nous attaque à la grenade, les autres. Ah, vous voyez la vie là-bas? C'est le loup encore qui se fait péter. Cinq joueurs, on est proche. L'hélico qui arrive avec trois places. Rien ne vous empêche, de même si vous êtes le dernier survivant d'un trio, de voler une place à un trio complet pour monter dans l'hélico. Ah putain, le maire qui prend pas de. Hein. Il prend pas de dégâts et la zone est là, génial. Donc vous voyez, voilà, la barre d'hypothermie. Elle diminue grandement à ce stade du jeu. Ça va, c'est encore faisable. 4 kills. On va essayer d'en faire d'autres.
Non, putain, j'ai reloadé. Aïe, 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 aïe. Voilà. Ça, c'est une erreur de débutant de ce que je viens de faire. Jamais reloadé avant d'aller rush un ennemi, voyons. Ah, comment je suis deg. Mais bon, ça change pas trop, hein. Gagner une partie en humain, c'est un peu compliqué. Mais bon, je me trouve pas d'excuses. J'ai fait une erreur assez monumentale. On va essayer de se rattraper. Ce qui sera, je pense, beaucoup plus simple en tant que monstre. Comme vous l'avez vu dans la précédente game, on démarre avec une arme de corps à corps. A nous ensuite de trouver les cadavres dispatchés sur la map. Je vous le répète encore une fois, 5 cadavres dispatchés en mode random qui sont détectables avec une aura rouge qui montre les émanations, les effluves de sang. Ou sinon deux cadavres de joueurs préalablement et fraîchement tués qui donnent beaucoup plus d'énergie. Il a l'air de bugger le gars. Je suis avec toi, hein. Enfin, bon, de toute façon, il n'y a pas de tir allié, donc. Est-ce qu'il a compris que j'étais avec lui? Donc quand vous êtes un loup, eh bien vous ressemblez à ça. Quand vous êtes un chat, vous ressemblez à ce que je suis. Après, c'est une bonne chose. C'est de bon augure. En fait, pour la suite de la game, déjà avoir trouvé un partenaire pour pouvoir faire des assauts à deux, c'est beaucoup plus safety pour nous et gagner la game que d'y aller tout seul sur un trio. Surtout quand, en début de partie, on n'a pas toutes nos attaques, on n'a pas encore la peau qui a durci, etc. La peau qui durcit, c'est une barre bleue qui s'ajoutera une fois que je serai transformé. Un deuxième cadavre. Il serait temps quand même que je me dépêche à tous les bouffer parce que ils se foutent déjà sur la gueule, je vois qu'ils ont des fusils à pompe. Tu peux le manger, hein. On peut être à plusieurs pour manger le cadavre. Même quand j'ai fini, tu peux aller manger après. Donc il me manque encore 3 cadavres à trouver. Ou alors un joueur, ce serait top. Et en parlant du loup... en parlant du loup d'Antivancing... Putain, je suis un comique, putain. Bon, allez, on va essayer de se le faire. À voir où est-ce qu'il est. Un autre point positif. Le surround 3D du jeu est quand même bien foutu. Vous savez s'il est au-dessus, derrière, à gauche, à droite, et ça, c'est pas mal. Et d'ailleurs, le jeu en profite. Car quand je vais avoir une de mes capacités, je reviendrai sur le son. Je vais vous dire de quoi il en retourne. Oh là 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 là. Oh oui, oh, il était en train de chercher dans la caisse le pauvre, oh, il est perdu. Oh, allez. J'entends ché dans l'oreillette. Et une transformation, une. C'est à la fois glauque et hypnotisant de voir une transformation. Voici mes attaques en bas à gauche. Je n'en ai débloqué que 3 sur 4 avec le chat. J'ai en haut l'invisibilité. L'invisibilité, quand je suis invisible, ben, je ne peux pas être vu. Par contre, ils peuvent m'entendre. Et c'est là que le fameux surround 3D entre en jeu. Il m'entend, en fait, de partout. En 360 degrés, il m'entend de n'importe où, donc il ne sait pas vraiment où tirer. Et ça, c'est un avantage. À gauche, je peux écouter. Je peux voir les gens à travers les murs. Il y a une espèce de wallock qui se met. Je les vois en temps réel. Je sais plus si... Oui. Non, c'est à gauche. Et à droite, c'est un sprint. Un putain de sprint sur 10 secondes qui me fait aller à 200% de ma vitesse. Il faut que je continue à bouffer des cadavres pour augmenter mes attaques. Donc là, on est en mode... On est sur le site du crash d'avion qui est une map, enfin une zone en plein milieu de la map. Donc il y a beaucoup de trafic, que ce soit joueur ou bête. Généralement c'est un petit peu le Tilted Tower de Fortnite. Et il y a l'air de pas y avoir grand monde, donc on va en profiter. Surtout que comme on est tous les deux transformés, ça nous offre un net avantage. Je débloque ma troisième attaque et on part. On va essayer de trouver... Voilà, les points blancs tout autour de la map, ce sont des joueurs. Et je peux les capter à
je ne sais pas combien de mètres, hein, un truc énorme, quoi. Allez! J'avais pas envie de me mettre dans le trou. Voilà, j'ai mes trois attaques. Hein. Bon, après, manger le reste me sert pas vraiment à grand chose, mais. Au moins, vous avez compris la chose. Ah, quand on est speed, on est speed. Le jeu a un peu de mal au début, hein. Quand on commence à faire du speed alors que le jeu n'est pas complètement chargé en amont, on peut avoir encore des freezes, hein. On s'en cache pas. Pas l'impression qu'il me suit en fait le collègue. De toute façon, on est toujours 3 pour 23 joueurs, c'est largement faisable. Malgré tout, les deux personnages ont 4 attaques différentes. Les werewolves sont plus orientés sur la rapidité, les combos ultra rapides et une puissance démesurée. Alors que le werecat se joue plutôt dans le sneaky, le. Voilà, on est vraiment le spy du jeu. Très, très tourné espion et un coup critique bien placé si la personne n'a pas beaucoup de vie. Ça peut être décisif. Donc ça se joue de deux manières différentes. Mais en combat, en 1v1, je vais devoir lui mettre beaucoup de coups de paluche pour le faire retomber. Alors qu'un werewolf va y arriver en quelques coups et surtout va pouvoir le terminer pendant qu'il est en train de lui donner des coups. Avec un coup spécial, alors que moi, mon coup spécial, je suis obligé d'attendre qu'il ait quart de vie et que je sois surtout en invisible et que mon coup puissant triangle passe. Parce que je peux taper avec rond qui sont des coups normaux. Et carré, je fais un petit dash pour faire des esquives. Croiser, sauter. J'aimerais bien trouver du monde quand même, ce serait sympa quand même de vous montrer un petit peu de fight en tant que monstre. C'est fou, je suis à côté d'une grande ville et il y a son père. Par contre, il y a un colis là-bas. Il va sûrement être joué. Il n'y a pas de dégâts de chute aussi pour les monstres. Et quand vous êtes en hors zone, vous n'avez pas de dégâts non plus pendant que vous êtes monstre. Bon, le collègue avait anticipé également, il y est, mais il se fait attaquer par d'autres joueurs. On va aller l'aider. Allez hop, là déjà ça surprend. Voilà le pauvre, ouais, ça y est, ouais. Ah, c'est 2 versus 1, c'est la mort assurée. C'est clairement la mort assurée. Surtout que, bon, quand on est full vie plus full armure... C'est qu'il y avait du beau stuff, hein. Il y a une armure niveau 3, ils allaient se faire plaisir, quoi. Ils sont pas vers là. Si. Ça y est, ils s'affichent de plus en plus. Vous les voyez, ces espèces de points blancs que je vois en mode Wallach, et bien ce sont les survivants. Donc vous voyez, je les capte de très 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 loin. Le collègue va tenter. Oh, il s'est fait buter. Ah non, non, mais alors, non, 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 c'est qu'ils doivent être très, très bien équipés. Je me casse. Je me casse et je vais attendre que la nature toxique des joueurs fasse le travail à ma place. Se foutre sur la gueule plutôt que de s'unir pour m'éliminer. Pendant que je suis invisible, si je fais un dash ou un coup ou n'importe quoi, je perds mon invisibilité. Et je suis obligé d'attendre le même cooldown que si je l'avais entièrement utilisé. Toi, tu t'es éloigné un peu trop de ton groupe. Ça se fait pas. Oh, il est surpris. Aïe, je me prends des coups d'ailleurs. Merde, où est-ce qu'il est ? Ouais. On va pas perdre de temps, hein ? Parce que là, le chercher, c'est du temps pour que les autres arrivent. On joue RP, hein ? On joue RP.
de moi-même, je serais peut-être allé le terminer. On va. Un petit largage. On va juste écouter pour voir où est-ce qu'ils sont. Comme ça, on va voir si j'ai bien fait de m'échapper. Ouais, non, ils traînent ensemble, quoi. Ils traînent ensemble. Et le colis qui va bientôt arriver, ils vont vouloir aller le jouer. Ce qui paraît logique. En plus, il est juste à côté. Quel médium que je suis, forcément. Ah, mais ils sont pas seuls. Ils vont se faire attaquer. Et là, on va peut-être pouvoir en profiter. C'est un 3 versus, je sais pas combien. Je crois qu'ils sont 2. Peut-être plus. Oh! Oh toutes les grenades qu'il lui envoie. Oh le pauvre, ah ouais non, ils sont clairement bien équipés. Ah, j'ai raté ma super attaque. Là du coup lui il est surpris. Ah ça y est, putain, ils m'ont repéré. Allez, t'en vas pas, putain. Il a le lance-flamme, l'autre en plus. Ah oh, oh, ma vie, ouais, c'est pas bon bail, ouais. Ouais, c'est pas bon bail. Mais où est-ce qu'il est d'ailleurs mon collègue là? Parce que certes l'autre il est mort, mais le troisième là qu'on voit pas depuis le début, où est-ce qu'il est? Toi t'as quasiment plus de vie. Ah putain, ça l'a pas tué. Ça l'a pas tué. Ah putain, et en plus ils me l'ont volé quoi. Quelle horreur. C'est dommage. Parce que mon critique, quand je suis invisible et que je fais triangle, je leur saute à la carotide et je leur arrache la jugulaire. C'est un spectacle magnifique à voir. Mais bon, ce sera pour une prochaine fois. C'est mon seul one shot en tant que Wirecat. Toi t'es en train de le raise, je vais venir te tenir compagnie. Ah ben. Et voilà le finishim qui tombe. Allez, 2 versus 4. Ben, je pense qu'on a gagné les gens. Là tu fais moi le malin là maintenant. En train de essayer de me vider la vie là, mais là, vous êtes déjà split. C'est même pas un trio qu'on est en train d'affronter. Il se joue de moi pour essayer de me faire tomber, quoi. Il y a pas de dégâts de chute pour les monstres. Ça ne te sert à rien. Voilà. Tous ces coups que je suis obligé de donner, c'est incroyable. Ouais, bah là, on est ensemble, c'est fini. C'est fini pour eux. Pensez à bien viser le corps quand vous voulez manger, parce que carré c'est censé être le dash pour les monstres. Et parfois vous les esquivez, vous faites un dash sur le cadavre au lieu de vouloir manger. Ça c'est un peu chiant, c'est mal foutu. Et bien il en reste plus que deux. Plus d'armure. Oh, et en plus il le finit. Oui, le werewolf, quand ils sont au sol, il peut les exec comme ça en fait. L'autre il est au lance-flamme à côté. Il s'y baigne dedans. Le mec a compris qu'on avait gagné quoi. Ah, quelle horreur pour lui, le pauvre. Bon, et bien c'est la win. Allez, bah je vous laisse sur ce massacre, victory! En espérant du coup que ce test gameplay découverte de Don't Even Think vous aura bien plu. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour un prochain test. Portez-vous bien tout le monde, et à ciao!